Salut à toutes et à tous, c'est Chenny. J'espère que vous allez bien, la famille. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, invocation sur le portail. La disparition du Shinigami suppléant Nobody the Beats avec Kenpachi, Toshiro et Ikkaku. Donc, c'est une réédition, voilà. Réédition, pseudo-réédition, puisque là, c'est Ikkaku Bankai, Toshiro Bankai et voilà. Le Kenpachi avec la petite Yachiru. Ça fait plaisir. Donc, globalement, les personnages sont très très bien. Mais si vous voulez un réel avis et ma petite analyse, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo de stats et gameplay. J'ai tout détaillé, voilà. Et voilà, il y aura le petit i en haut si vous voulez aller la voir et ça fait plaisir. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Ça fait plaisir, les frérots. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons Ikkaku, Toshiro et Kenpachi. Donc, on va juste survoler. Tranquillou, donc Kenpachi, les amis, très très gros personnage, je pense le meilleur personnage de la bannière, celui que tout le monde veut, il est juste incroyable, en PVP, il va soulever beaucoup de personnes, et voilà, très très fort, et je le veux, c'est ma priorité sur ce portail. Hitsugaya, très fort aussi, voilà, c'est pas le personnage que je... qui m'intéresse le plus des trois, mais voilà, je le veux, pourquoi pas. J'aimerais bien l'avoir aussi. C'est Imperfection 25. Le Ikkaku, j'aimerais beaucoup l'avoir pour agrandir un peu mes tueurs d'Arrancar en orange. Et c'est un personnage Frenzy, donc très très bien en PvE. Très très gros personnage. Donc comme je l'ai dit hier, les fillers, bah, je les possède tous. Je les ai tous. Donc cette invocation pour moi, elle est très très risquée. Elle est très très risquée. J'ai 6 personnages sur 9. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mon objectif, clairement, c'est Kenpachi. Donc dès que j'ai Kenpachi, j'arrête. Où je verrai à la fin. Je verrai, je vais mettre combien d'orbes. Je verrai, je vais invoquer, je verrai si je vois que ça tourne vraiment au drame. Je risque peut-être de me stopper, de réfléchir et de peut-être faire une revanche en live. Mais il faut vraiment que je fasse attention à ce genre de portail. Parce que Shouai, je l'ai SP 4. Aizen Papillon, je crois que je l'ai SP 3. Zaya Lapo, j'ai déjà deux doublons. Yamamoto, j'ai déjà deux doublons aussi. C'est chaud, ce portail, il me fait très très peur. Il me fait très très peur les frérots. Donc ma priorité c'est vraiment le Kenpachi. On va essayer les personnages en rapide pour pouvoir les tester et kiffer quoi tout simplement. Et voilà. Je crois qu'il y a eu un petit bug au niveau de l'émulateur les frérots. Je reviens tout de suite. C'est parti pour le Kenpachi. Ça fait plaisir. Donc alors il a un gameplay juste incroyable. Son combo NAD il est. Sa troisième strong, elle est hyper belle. Par contre, les frérots, honnêtement, son combo NAD, il est. Et je sais pas comment dire. Il m'éblouit. C'est incroyable. Son combo NAD est juste incroyable. Ce personnage-là, il me. Waouh. Si je l'ai, j'espère que Dieu m'entend. Ça fait plaisir. Regardez-moi ce combo. Non, mais sérieux, gros. Tu peux pas avoir un combo pareil. Son combo, il est juste incroyable. J'espère vraiment l'avoir et pas trop craquer. Mais non, son combo, il est juste ouf. Il est juste ouf, le Kenpachi. S'il vous plaît, comme ça, je peux garder mes orbes. Attention, les frérots, je voulais vous dire. Fin mars, enfin 24, 24 mars, il me semble, nous allons avoir un Bankai Live. Et voilà, donc quasiment sûr. Je suis quasiment sûr à 99,9% que fin mars il y aura un portail roman ou un portail guerre sanglante. Donc faites attention si vous voulez pas tout dépenser. Faites attention. Putain, elle est bien la première. En fait, la première strong, quand tu regardes le gameplay, elle m'a pas l'air incroyable. Mais quand tu l'as fait, non, elle est vraiment bien. Oh putain, mais c'est rapide en vrai. Tema. Eh, son combo NAD, il est incroyablement rapide en vrai. Non, il est incroyable. Il a un beau gameplay, un beau gameplay. Donc voilà, comme je l'ai dit, mon objectif, moi, c'est Kenpachi. Mais si je peux avoir Toshiro ou Ikkaku, je suis largement preneur. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais essayer de réfléchir. Essayer de pas tout craquer dans la vidéo.
Et j'essaierai de me poser et pas mettre 2000 orbes bêtement comme ça. J'attendrai vos retours en tout cas dans les commentaires. Et dites-moi, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, les amis, ce que vous avez eu. Parce que j'ai vu des gens dropper, vu des gens avoir de la merde. Il a un beau gameplay en vrai, Ikaku, hein. En vrai, elle est pas trop dérangeante sa première strong. En vrai, de vrai, vaut mieux tout le temps essayer le perso avant de se fier que sur le gameplay en vrai. Non, il est propre. Non, il est propre. Après, voilà, moi, le petit message que je voulais faire passer, les frérots, c'est que moi, j'ai 6 fillers. Donc, j'ai les 3. Je sais que c'est chaud, de ouf, mais voilà, l'échelle de puissance, n'y prêtez pas forcément attention. Faites-vous plaisir avant tout. Si vous voulez absolument un des 3, invoquez, voilà, je sais qu'il y a un personnage qui arrive à la fin du mois. Parce que je sais que je vais recevoir des commentaires comme quoi on va me dire, Shiny, j'ai lui, est-ce que tu me conseilles d'invoquer? Si t'as envie d'invoquer, invoque, tu viens, t'es bien en train de voir que même moi avec 6 fillers, j'invoque quand même. Fais-toi plaisir avant tout, n'oublie pas que t'es sur un jeu. Si t'aimes beaucoup Toshiro et que tu le veux absolument, vas-y, vas-y frérot. Pour ceux qui veulent vraiment jouer la stratégie et à l'état pur, faites attention alors et économisez pour la fin de mois de mars. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir avant tout, n'hésitez pas. On va se faire des petites singles, les amis, jusqu'à 2000 orbes. On va voir ce que ça donne à ce qui paraît qu'Empathy tombe en single. De ce que j'ai cru comprendre. Il tombe en single et on va voir si ça. Moi je vous le dis, j'ai qu'Empathie, j'arrête instant. Hein, donc. Oh! Deuxième single. Oh là 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 là. Triplon Zayel. Triplon Zayel. Ok, donc deuxième single arc-en-ciel. La vidéo vient de commencer. La vidéo vient de commencer. C'est pas grave, on va y aller mollo. On va y aller mollo. Je me suis dit, t'imagines là tout de suite, à la rigueur, un bannière, tu vois. Là, ça m'aurait mis, mais d'aplomb direct, quoi. Ça m'aurait mis d'aplomb. Bah, Zayel. Bon, t'as ça, après, on veut toujours plus, tu vois. Nous, on a toujours été dans une mentalité, on veut toujours plus, donc bon. J'aurais kiffé, t'as fait un bannière tout de suite, deuxième single. Allez, s'il te plaît. Un petit bannière, ce serait cool. De toute façon, si je tape le Kenny, j'essaierai de vous faire un test PVP. Si je le tape, hein, bien sûr, hein, parce que vous connaissez ma chance. C'est pas parce que j'ai tapé Tigo Quincy sur une multi Brave Soul que forcément mes orbes, c'est la même chose. Pas une 4 étoiles là, par contre. Certes, on a tapé une 5 étoiles, mais on n'a pas une seule 4 étoiles. 3 singles, après on enchaîne. Ok. Je pars pas défaitiste. Je sais que c'est chaud avec les 6 fillers que j'ai, je sais que c'est très très dur. Et que si j'ai des doublons, on va dire que c'est un peu normal. D'ailleurs, j'ai bientôt les 1000 personnages dans l'album. Ce serait stylé d'atteindre ce palier. Bon, bah pas une 4 étoiles. Sur les singles, on aura tapé full 3. On va se faire une multi. On va se faire une petite multi. C'est parti. J'ai économisé pendant un mois, s'il vous plaît. 5 étoiles. C'est trop de fillers, j'y crois même pas tellement j'ai trop de fillers. Oh! Si! À la première multi! J'arrête d'invoquer les frérots! Je garde mes orbes! Je garde mes orbes! Ça fait plaisir! Oh, j'ai 6 fillers! Oh, j'appréhendais tellement le portail. J'avais tellement peur. Je me suis dit, j'ai 6 fillers. Je vais taper 4 fois Zayel. 4 chou ITT et tout. Oh là là, le Kempachi. Oh, je vais le monter 200, les frérots. Je vous fais un test PVP. Je vais voir si ça va sortir dans la soirée. Oh, je suis au top. Je suis au top. Oh là 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 là, le petit Kenny, les frérots. Ça fait plaisir. Yes! C'est celui que je voulais le plus. La chance est de retour. La chance est de retour, putain. En plus, il me reste une résurrection à faire.
Ah ouais, mais là, mais fin de mois prochain, je serai à 4000 orbes. Hein. Oh là 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 là, les frérots. Bon, bah on va s'arrêter là, les amis, je sais, c'est un petit peu court. On aura mis 525 orbes. Mais comprenez-moi, là, j'ai désormais 7 personnages sur 9. Je peux pas aller me permettre d'aller chercher Ikaku ou Toshiro. Je vais me contenter du Kenpachi. Et voilà, en tout cas, les frérots, j'espère que vous avez vraiment eu du lourd. Moi, je suis hyper content, hyper satisfait. Ah, oh, j'y crois pas. Donc, je vous explique le programme. Si j'ai le temps, parce que j'ai quelque chose à faire, je vous sors la review PVP du Kenpachi ce soir. On va le tester. Dès ce soir, je vais essayer de voir si je peux lui mettre un Karaling 10. On va essayer de faire ça dès ce soir. Je voulais vous parler aussi par rapport à demain, parce que demain, je fais un gros live Grand Chase. Ça, c'est pour les puristes Grand Chase. Hein. À 18h, les frérots, parce que c'est la célébration des 100 jours, il y aura plein de récompenses. On va détailler ça tous ensemble et on va invoquer, parce que j'ai gardé mes orbes aussi sur Grand Chase, et on va invoquer. Et voilà. Je voulais vous remercier aussi par rapport à Utip, parce que vous avez été beaucoup à regarder des pubs, et ça fait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Merci beaucoup à vous tous, merci de votre soutien, merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu. D'ailleurs, le Kenpachi mérite un petit pouce bleu, les frérots, vous n'allez pas esquiver, ça fait grave plaisir. Et voilà, merci à vous tous. Ce soir, il y aura aussi forcément un stream, je pense. Je sais pas si ça va être sur Bleach ou sur Fortnite, en plus, il y a la saison 8 et tout. On verra dès ce soir. Merci à vous tous de m'avoir regardé, les frérots. C'était Shiny. Prenez soin de vous. Du bye, Cyber. Peace. Ah, le Kenpachi fait trop plaisir.